Allez, revenons sur motorhead.com, Julien Bill. Julien, alors, t'as passé un hiver de champion du monde, ça doit être mieux que les autres hivers, non? Ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai pu aller m'entraîner un mois et demi aux États-Unis, donc voilà, comme on sait, hein, la Californie en hiver, c'est vraiment excellent, grand beau, on a vraiment pu rouler tous les jours. Et puis bah voilà, je me suis fait plaisir, on a vraiment roulé sur des super pistes, j'ai pu enchaîner pas mal d'heures de roulage, et puis voilà, bah aujourd'hui je suis de retour à Valence et ça se passe plutôt pas trop mal. Alors c'est peut-être toi qui as ramené les bonnes conditions météo à Valence, non? Ouais, enfin j'en sais rien, mais en tout cas pour une fois il n'y a pas trop de vent et puis il fait pas froid, donc c'est vraiment des bonnes conditions, c'est sympa. Bon, l'an passé on revient un peu sur ton titre mondial MX3, tu as atteint ton but, être champion du monde, le premier Suisse, ça a été fêté à la valeur du titre en Suisse? Ouais, bah ça a été fêté, mais après c'est vrai qu'étant un team privé, on débordait pas de moyens non plus, donc on n'a pas fait les choses aussi en grand qu'on voulait, mais on a fêté ça comme il se doit, et puis on a passé du bon temps. Et puis c'est vrai qu'après tous ces sacrifices personnels et avec les gens qui m'entourent, c'était vraiment super d'arriver à ça, donc c'était une belle saison. Bon, maintenant que tu as atteint ton but, saison un petit peu différente, un programme complètement new look, un nouveau challenge pour toi cette année? Ouais, effectivement, bah là je vais partir surtout sur le championnat suisse, je vais faire le championnat élite 250 et 450, le tout sur une 250, donc je pense que face aux 4,5 ça va être pas mal difficile, mais bon c'est un super challenge, j'ai toujours bien aimé faire des challenges, donc je me réjouis de faire ça, je pense que je suis bien préparé, et puis ce sera surtout ça donc mon objectif principal, en dehors de ça quelques cross inter comme ici Valence et puis la semaine prochaine à La Capelle, et quelques super cross internationaux en fin d'année, voilà ce genre de choses. Pas de GP, c'est fini définitivement? Non, c'est pas fini. C'est vrai que j'aimerais bien faire un ou deux GP MX1 cette année. Simplement, bah, comme on sait, il y a toujours des concurrences de dates avec le championnat suisse. Donc, c'est un petit peu difficile de trouver des dates. Mais je vais m'arranger pour essayer d'en faire au moins un. J'aimerais vraiment faire encore un ou deux GP MX1 pour voir ce que je peux faire. Je pense qu'avec la moto que j'ai cette année, je peux faire quelque chose de pas trop mal. Donc, ça me ferait plaisir. Bon, le MX3, c'est fini. C'est bon, t'as donné? Ouais, effectivement. Bah, j'aurais bien voulu repartir dans ce championnat-là cette année pour essayer de faire un deuxième titre. Mais c'est vrai que bah voilà, c'est tout dans les pays de l'Est, les frais de déplacement sont vraiment énormes. Et puis au final, bah, il n'y a pas grand-chose à gagner. Donc j'ai eu mon titre, ma saison s'est bien passée, je me suis relancé. Mais c'est vrai que voilà, comme je dis souvent, ça reste mon métier, donc il faut aussi quand même que quelques sous rentrent. Puis là, ce n'est pas trop le cas, donc j'ai décidé de faire autre chose. Ça a été compliqué de rebondir après ces années chez Aprilia où tu avais pris une voie un petit peu atypique, on va dire. Ouais, c'est clair. Bah ouais, hein, de toute façon, voilà, chez Aprilia, j'ai fait ce choix-là, on sait pourquoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, je le regrette un petit peu parce que je pense que j'ai perdu 2 ans. Ma foi, quand c'était le moment, je pensais que c'était le bon choix. Et puis bah, aujourd'hui, voilà, je suis revenu sur une moto que j'aime. La Honda, c'est vraiment quelque chose qui me convient bien. Et puis voilà, je me fais plaisir. Je pense que j'ai encore 2-3 belles choses à faire. Et puis voilà. Tu vas rajeunir en montant sur une 2,5, non? Ouais, un peu. Ouais. Surtout qu'en fait, j'ai jamais vraiment fait de saison complète sur une 2,5. J'ai surtout roulé en 125 et après, je suis passé direct au 450. Donc ça va faire une grosse différence, mais bon, j'ai Enrico, l'ancien ingénieur de chez Martin, qui fait mes motos, donc je pense qu'elles vont bien marcher et je vais m'amuser. Eh ben merci Julien, on se retrouve la semaine prochaine et puis à bientôt sur un Grand Prix, on l'espère pour toi. Ça marche, merci, à bientôt, ciao.